bienvenue dans le didacticiel d'AlloWars. Ici, vous apprendrez les contrôles et les commandes de base du jeu. Commençons par le contrôle de la caméra pour apprendre à vous orienter sur la carte. Orientez le stick analogique gauche dans la direction où vous souhaitez déplacer la caméra. Déplacez la caméra jusqu'aux trois fusées éclairantes indiquées par la flèche objectif bleu. Bien, sélectionnons maintenant une unité. Appliquez ce que vous savez sur le contrôle de la caméra pour positionner le réticule situé au milieu de l'écran sur l'unité souhaitée. Parfait. L'unité est maintenant sélectionnée et le type de cette unité s'affiche en bas de l'écran. Ordonnons-lui d'aller à la fusée éclairante suivante. Déplacez le réticule jusqu'à l'emplacement souhaité et appuyez sur X. On est parti. Remarquez comme les zones d'ombre se dévoilent à mesure que vos unités explorent des terres inconnues de la carte. Allons-y. Bien. Continuez à suivre la flèche objectif bleu. Yahoo! On est parti. Dans AlloWars, vous contrôlez des armées composées de différents types d'unités. D'autres unités sont disponibles. Sélectionnez-les toutes. Pour cela, appuyez sur la gâchette haute gauche. Toutes les unités. Bien. En appliquant ce que vous avez appris jusqu'ici, déplaçons ces unités. Placez le réticule sur l'endroit souhaité et appuyez sur X. En avant! Dépêchez-vous! On annonce un blizzard! À vos ordres! Compris, en mouvement. Excellent. Il faut franchir ce bouclier Covenant. Ordonnons à notre armée d'en attaquer la source d'énergie. Sélectionnez vos unités et placez le réticule sur la cible à attaquer. Appuyez sur X. Compris, faites du bruit. Vous allez tous mordre la poussière. Le bouclier est détruit. Suivez la flèche objectif bleu et entraînez-vous à attaquer d'autres cibles. Attention, n'oubliez pas que certaines cibles peuvent contre-attaquer. En avant! On y va! Des ennemis! On arrive! En avant! On est à terre! On est dessus! Il vient de massacrer! Méchant! Et que ça saigne! Tire de protection! Hé! Hey, la bête! La marine est morte! Les élites sont trop fortes! La tactique sans suivez la flèche objectif bleu jusqu'à la dernière cible. On y va! Ces cibles semblent plus résistantes. Heureusement, certaines unités ont des capacités spéciales. Essayez d'attaquer cette cible en appuyant sur Y plutôt que sur X. Grenade, à mon commandement! Grenade, lancez! Et arrête-moi! Grenade! Excellent. Ceci marque la fin du didacticiel de base. Pour les commandes avancées, essayez le didacticiel avancé. Bienvenue dans le didacticiel avancé.
nous allons parler des concepts plus poussés qui sont à votre disposition. Sélectionnez le Warthog et suivez la flèche objectif jusqu'à la première cible. Oui, commandant. On avance. Bien, essayons la capacité bélier du Warthog. On fonce! Bravo, suivez la flèche objectif et percutez une autre cible. On avance. Assommez-les! Parfait. Bien, il vous faudra des ressources pour acheter et améliorer vos unités. Il existe plusieurs façons d'obtenir des ressources. Pour commencer, parlons des caisses de ravitaillement. Suivez la flèche objectif jusqu'à l'emplacement suivant. On avance. Les caisses permettent d'obtenir des ressources. Vos ressources sont affichées dans le coin supérieur droit, à côté de l'icône en forme de cube. Emparons-nous de ces caisses. Placez le réticule dessus et appuyez sur X. On avance. On avance. Bien. Maintenant que nous avons quelques ressources, nous pouvons développer notre base. Déplacez la caméra jusqu'à la base UNSC. Sélectionnez le site indiqué. On avance. Sélectionnez la station de ravitaillement à l'aide du stick analogique gauche et appuyez sur A pour la construire. Station de ravitaillement terminée. Cette structure permet aussi d'obtenir des ravitaillements. Construisez une seconde station de ravitaillement pour obtenir des ressources régulières. Station de ravitaillement terminée. Vous devriez maintenant être ravitaillé plus souvent. Avec toutes ces ressources, nous pouvons bâtir une armée, mais il nous faut d'abord une caserne. Sélectionnez un site et construisez une caserne. Caserne terminée. Bien, nous pouvons entraîner une armée. Sélectionnez la caserne et formez 5 escouades de Marines. Pour placer plusieurs escouades dans la liste d'entraînement, sélectionnez-les dans le menu circulaire et appuyez 5 fois sur A. Chaque fois que vous entraînez des unités, le processus continue même si vous fermez le menu circulaire et que vous faites autre chose. Marines déployés, chef! Marines prêts à y aller! Marines! Parfait. Pour voir votre armée, déplacez la caméra jusqu'à l'avant de votre base. Maintenant, améliorons votre armée pour la rendre plus puissante. Pour cela, sélectionnez un site et construisez un réacteur. Réacteur terminé. Vous remarquez le chiffre 1 à côté de l'icône en forme d'éclair dans le coin supérieur droit, à côté du nombre de ressources? C'est le nombre de réacteurs de votre base. N'oubliez pas, plus vous avez de réacteurs, plus vous pouvez entraîner et améliorer d'unités. Avoir un réacteur vous permet d'améliorer vos Marines. Sélectionnez la caserne et activez la technologie « Nouvelle recrue ». Nouvelle recrue, prête.
Bien, vos Marines ont été améliorés. Suivons la flèche objectif pour découvrir les pouvoirs de commandant. Nous allons nous entraîner à utiliser les pouvoirs de commandant sur ces unités covenantes. Commençons par le tir de canon AM. Appuyez sur O sur le BMD pour afficher le menu des pouvoirs. Sélectionnez le tir de canon AM et faisons un peu le ménage. Lancement des obus de canon AM. Canon AM prêt. Continuez d'utiliser le canon AM pour détruire ses apparitions jusqu'à la dernière. Lancement des tirs de canon AM prêt. Lancement des obus de canon AM prêt. Bien, parfait. Maintenant, nous allons passer au pouvoir de commandant Covenant. Les pouvoirs de commandant Covenant sont différents parce qu'ils s'utilisent comme la capacité Y des commandants. Le prophète du regret est piégé. Utilisez son pouvoir de purification pour le libérer. Sélectionnez le prophète et détruisez les trois sources d'énergie avec sa capacité Y. Quoi encore ? Appuyez sur Y pour activer le pouvoir. Utilisez ensuite le stick analogique gauche pour déplacer le rayon en direction des trois sources d'énergie et les détruire. Enfin libre. Pour en apprendre plus sur les améliorations Covenant, rendons-nous à la base des Covenants. Pour cela, appuyez sur gauche sur le BMD. Bien que d'apparence très différente, la base Covenant fonctionne comme la base UNSC. Sélectionnez le site et construisez une usine. Usine. Terminé. L'usine permet de créer des unités puissantes, mais nous devons tout d'abord améliorer le niveau technologique pour les utiliser. Contrairement à l'UNSC, les Covenants améliorent leur niveau technologique en découvrant de nouveaux âges. Sélectionnez le temple et activez l'âge du doute. Âge du doute atteint. Les Covenants ont accès à de puissantes défenses. Sélectionnez un site et construisez un générateur de boucliers. Générateur de boucliers terminé. Un bouclier invisible protège maintenant la base. Le moment est venu de bâtir une armée. Sélectionnez l'usine et créez 4 locustes. Locuste, prêt. Locuste, prêt à partir. Locuste, prêt à servir. Locuste. Dès qu'un locuste est créé, envoyez-le dans la zone de largage. Il se téléportera instantanément à l'endroit où se trouve le commandant. Toutes les unités. Toutes les unités. On avance. Excellent. Pour accéder à votre commandant, appuyez sur O sur le BMD. Je suis là. Sélectionnez votre armée Covenant et détruisez les unités UNSC proches.
Si c'est obligé. J'imagine. Toutes les unités. D'accord. Jolie tenue! On attaque. Dommage qu'on doive les cribler de balles! Nous avons une cible. Le plaisir est pour moi. Je vais le tuer. Un homme à terre! Un homme à terre! Cible à 12 heures! On sort! Une cible facile! Wouhou! Ouais, c'est fait. Son rythme! C'est un plaisir. Une cible facile. Je pars. On se déplace. On y va. C'est un plaisir. Félicitations. Locust ! Vous avez achevé le didacticiel avancé d'Halo Wars. Vous êtes prêt à affronter l'univers tout entier.